Comme d'habitude, le régime qatari cherche à provoquer la sédition entre les Arabes. L'ancien premier ministre qatari Hamad bin Jassim a provoqué la colère entre les Saoudiens et les Émiratés à travers un tweet sur Twitter, dans lequel il se demande autour de relations entre deux alliés, sans les nommer. Bin Jassim a écrit à travers son compte officiel sur Twitter qu'il ne comprend pas la nature des relations entre deux alliés, de la répartition des rôles inégaux. Si la distribution des rôles, il y a une partie apparaît que son rôle n'est pas au courant de ce qu'elle se passait. Alors qu'il semble que l'autre partie fit la distribution des rôles. Alors ce tweet est causé de l'escalade de la tension autour de la ville yéménite d'Aden. Notamment après que le conseil de transition du Sud a réussi de contrôler. Ce qui a propagé de fausses rumeurs autour de l'existence de différences entre Riyad et Abu Dhabi sur le dossier yéménite. Notamment après que les Émirats Arabes Unis a réduit ses présences militaires au Yémen. Le tweet de Bin Jassim a suscité des réactions de couleur qu'ils sont apparues dans les 4000 commentaires, notamment des Saoudiennes et des Émiratés, dans lesquels ils ont confirmé les relations étroites entre le Dubaï et déclaré leur rejet de la politique malveillante des régimes qataris.